Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur For Honor. On est toujours avec les samouraïs et aujourd'hui on va aller s'attaquer au palais impérial dans le chapitre Unité. Pour vaincre le seigneur Seijuro, l'Oroki doit s'introduire dans le palais impérial. C'est parti. Donc la dernière fois on s'est attaqué aux Vikings qui nous ont échappé dans les Bourbiers. Et là, on va s'attaquer du coup au reste des samouraïs pour unifier sous une même bannière. Et je suppose qu'après ça, on va aller s'attaquer aux chevaliers. Notamment la Légion d'Obsidienne. Le palais impérial. Une forteresse dans une forteresse. Seijuro, notre peuple saigne. Déposez les armes. Tu veux en finir? Prosterne-toi! Seijuro ne comptait pas se rendre. Il avait de puissantes troupes sous ses ordres. Mais nous étions nombreux. Il nous fallait juste une entrée. Je suppose que ça va être mon travail, de trouver l'entrée. Je n'étais pas entré dans le palais depuis 3 ans. Depuis ce jour où l'empereur m'avait fait emprisonner. Seijuro avait accepté mon offre et le trône. Sa garde comptait une bonne cinquantaine des plus grands guerriers samouraïs. Le triomphe de la qualité sur la quantité. Alors, par où je rentre? Allez! Le papier. D'accord, comme ça. Contre l'acier. Oula, 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 du calme. Mon tour. Ok, on est passé, mais il m'a fait super mal. On va attendre que le pouvoir se recharge pour recharger la santé avant de continuer à avancer. Ça va pas prendre longtemps. Mais d'accord, je peux passer comme ça à travers le papier. La peur incarnée. Malus d'endurance et de défense. J'ai pas le temps de voir. J'entends les guerriers de Seijuro. Ok. La cité des samouraïs se trouve sur un haut plateau entouré de forêts. C'est l'une des forteresses les plus imprenables du continent. Elle a été ravagée 2 fois par les flammes et au moins 6 par les guerres civiles. Seijuro avait avec lui les meilleurs guerriers. Cette force nous serait utile. Je
J'entends les guerriers de Sejuro. L'exécution, dommage. Voilà. L'empereur a des goûts de luxe. Notre armée est de l'autre côté. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Alors, utilisez votre provocation F et déclenchez la charge de l'éléphant. Il peut infliger de lourds dégâts à certains éléments de l'environnement. Il me fallait un moyen d'ouvrir le portail. J'avais un éléphant. Évite de te mettre devant lui. Je vois l'ennemi. L'ennemi est en marche. L'ennemi est en marche. Je sais pas trop comment faire si je peux pas l'ouvrir comme ça. Ouch. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, c'est l'éléphant qui m'a tué peut-être. Ok. On recommence, c'est pas grave. Il me fallait un moyen d'ouvrir le portail. J'avais un éléphant. Ouais, non, là j'ai mal joué. Il me fallait un moyen d'ouvrir le portail. J'avais un éléphant. Voilà, il est descendu d'un déjà. Oui. Mal joué ça. Bon, je vais réussir à passer ça.
faut juste comprendre exactement comment fonctionnent les forces. Il me fallait un moyen d'ouvrir le portail. J'avais un éléphant. Première partie déjà. On va essayer du coup de déclencher une charge de l'éléphant sur celui-là. Ok. Ah, il faut encore que je déclenche pour qu'il passe devant le portail peut-être. Allez, m'éloigner l'éléphant là par contre. Allez, on est rentré dans le palais. Rien ne nous arrêtera. Ces jurons ne doivent pas être loin. Ok, il va falloir faire reculer les autres. Il y avait trop de morts. Nous devions trouver ces jurons. À la passer, mais m'a fait mal. Ok, on est reparti. On va attendre que les flèches tombent une nouvelle fois. Ah, elle est en capture, pardon. Ces jurons ne devaient pas être loin. Trou-
trouver leur daimyo. Tant de sang avait coulé. Tue-moi ! Vas-y donc ! Qu'attends-tu ? J'entrerai dans l'histoire comme le plus fort d'entre nous. Ces guerriers ne suivront personne d'autre. Tu sombreras dans l'oubli. Le champion impérial va te vaincre. Le champion impérial, moisi dans un cachot à l'autre bout de la ville. C'est toi, le champion. C'est un traître. Un héros, plutôt. Alors, va falloir que j'affronte. Sejuro était l'un de nos plus grands guerriers. Moi, j'avais passé 3 ans à croupir dans un cachot. Oh putain! Oh là là! Je n'ai rien d'un champion. Le destin m'a choisi. L'histoire. Allez, c'est bon. Ah, il a pas été trop dur. Qu'est-ce que vous attendez ? Nous avons besoin de commandants. Tu me déshonores. Aide-nous. Tu es un grand guerrier. Je refuse de vous servir. Alors, tue-moi. Prends ma place. Commande nos armées. Tu es fou. Notre ennemi est Apollyon. Pas Sejuro. Je refuse de me battre pour le compte de la Légion. Le champion impérial. De nouveau à la tête de nos armées. Je pars pour Ashfeld. C'est là qu'est notre ennemi.
Allez, on a terminé cette mission. On a unifié les samouraïs. Allez, bourreau niveau 2. Avant de conduire l'armée d'Ayu en Ashfeld, le champion impérial devait d'abord repérer les lieux et trouver comment parvenir sans encombre à ma forteresse. Mais Ashfeld a bien changé. Au final, on aura fait tout le tour de la carte, j'ai l'impression, parce qu'on va revenir en fait quasiment au point de départ. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.